Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Overwatch. Nous allons tenter les matchs de placement de la saison 5, chers amis, ensemble, en vidéo en tout cas. Je vais en faire quelques-uns en solo, peut-être quelques-uns avec Rontopo qui essaie de me coacher en ce moment, en tout cas essaie de me donner des conseils pour m'améliorer à Overwatch. Conseil que je m'efforce d'appliquer et ça me fait mal à chaque fois que je les applique parce que ça me montre à quel point je suis mauvais. Donc, on va bien voir ce que ça vaut ces matchs de placement. C'est rigolo parce que j'ai mis l'enregistrement sur le deuxième écran et toutes les couleurs sont extrêmement étranges. Genre le violet en haut n'est plus violet mais il est rase. Oui, c'est à force de regarder la météo avec une fille qui dit rase que du coup je me suis mis à dire rose, enfin rose plutôt justement. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai vu que c'était un remarqué en vidéo, j'ai... oui, bon bah là il est mal fait en plus. J'ai une petite couette arrière. Bon, bah voilà, c'est comme ça. J'ai les cheveux qui se rallongent et c'est plus facile comme ça en vidéo, au moins ils tombent pas devant mes yeux. Et c'est déjà ça. Vous voyez que j'ai les yeux éclatés aussi, c'est parce que je viens de faire un petit peu l'entraînement en me disant tiens, ça va m'échauffer un petit peu avant. Mais en fait non. Non, pas du tout. Donc bon, c'est comme ça. On verra bien. Allez, on y va. On va essayer de jouer tank. Hein. Hi. Et on va essayer de discuter avec l'équipe. On va bien voir. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas joué à rien depuis. Alors oui, alors dans le cadre de l'entraînement j'ai changé toute ma sensibilité. Donc vous risquez de voir que je suis très mauvais en ce moment. Ou peut-être, enfin, vous de me dire si je suis plus mauvais ou moins mauvais qu'avant. Je suis quand même bien entraîné depuis le début. Vous voyez qu'on est le 6 juin je crois pour moi actuellement là. Donc ouais, grosso modo, je m'entraîne depuis 15 jours, enfin 15 jours encore, parce que, non même pas, moins d'une semaine on va dire, on va comptabiliser moins d'une semaine parce que j'ai pas... Je viens de voir que Booba et Omni sont même pas des niveaux... Tu me diras, il y a la même chose en face, donc bon, on verra bien. Le problème étant qu'en fait on peut tomber face soit à des... soit à des nouveaux comptes, donc là des personnes qui ne savent pas vraiment jouer à Overwatch, soit à des smurfs qui eux par contre sauront jouer et qui s'amusent, parce que ça je comprends pas. Hein. En fait c'est la frustration, d'après ce que m'a dit Rontopo, c'est la frustration de pas arriver, enfin d'avoir des emmerdes au level, des trous du cul au level, et donc du coup ils reviennent sur des comptes plus frais pour pouvoir faire le taf et se foutre de la gueule des gens. Bon, pourquoi pas. Mais ouais, c'est parce que... j'imagine que c'est comme ça tout le temps. Avant qu'Omnibus ne parte. Hop. No more Starbro. Rotok hooked me. Okay. Five, we can go. Oh! Oh! La claque du marteau! Qui s'est arrêté au niveau de sa joue! Oh, alors ça. Ah! Dommage. Bon, c'est pas grave. J'ai toujours du mal avec le pin de ce Reinhardt. Enfin bon, j'aurais pas dû partir en YOLO. Attendez-moi. Putain, mais ils veulent continuer en front ou quoi? Oh! I flank from left instead of pay. I come with you. Notre Reinhardt est pas top. Hein. Notre Reinhardt est vraiment pas top. Allez, tu le... Oh putain.
J'aimerais bien qu'elle slip des ennemis de temps en temps. Apparemment c'est pas prévu. Come back, you are just three. Ouais mais enfin bon, les kills sont pas faits. Come back, come back. Je suis désolé, là il y a un problème hein. En même temps, non c'est pas le nôtre. Allez, allez. C'est stupide là, ils avaient 3000 ennemis devant. Mais non, fallait attendre que le bouclier soit mort pour balancer l'ult. Enfin bon, c'est pas grave. Go 1.4. J'ai encore la force de lutter. Nouvel ennemi en vue. C'est quand même triste, hein. Tourelle ennemi détruite. Donc on a. Bref, voilà, c'est bon, c'est perdu. Tourelle ennemi neutralisée. Première manche terminée. Score. 0 à 0. Changement de côté. Préparez vos défenses. Choisissez votre héros. Désolé, moi j'ai pas envie de jouer tank. Hein. Justice sera rendue. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Les attaquants approchent. Défendez l'objectif A. Ça va aller. Faut que je reste sur le point parce que s'ils ont une putain de tresseur, je vais de rester et ils font les 33% puis c'est bon. I go left on the high ground that I can snipe you into you. Raté.
Alors est-ce qu'on a du heal? Apparemment on en a pas. Ok, première défaite. Bon bah ça commence bien. Au bout de 10 minutes. C'est cool. C'est quand même très très cool. Voilà, donc ça montre bien le genre de personne à qui on avait affaire. Ils annoncent des trucs, ils disent que j'ai tort, mais ils se barrent aussi sec. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a bien vu, il y avait Rodok qui venait, Lucio, Reinhardt, et je crois que j'ai bu un troisième tank, c'était comment qu'elle s'appelle l'autre là, oh, je sais plus, bref. Donc, oui, je vais pas rester sur le point bêtement à attendre de crever, hein. Je vais essayer de survivre pour revenir. C'est... Enfin bon, c'est pas grave. Hop, bon bah première défaite sur cette partie de placement, c'est génial. Ça commence super bien, c'est la fête. On est heureux, chers amis, donc on y est. On va encore devoir tanker. Parce que je veux pas heal, je veux absolument pas heal pendant cette... Et ça commence mal. Justice sera rendue. Allez, good. Enfin bon, on va bien voir. Le monde change tellement vite. Difficile de se tenir au courant. On va bien voir. On va bien voir. Alors, faut savoir que sur cette map-là, il y a 85% de chance d'avoir une Pharah. Donc, elle risque soit de le rect à très très longue distance, soit de se bouffer quelques dégâts et de retomber, on va bien voir. Bien le waste! Reaper on the left. Il y a personne pour faire le kill en bas. Merci. J'y retourne. Putain de Reaper de merde. Ah, j'avais oublié, maintenant il recharge. Je crois que maintenant il recharge ses guns. Ouais, voilà, regardez. Ça a rechargé entièrement ses guns quand il est passé en slash. En shift. Allez! Attention à l'ult. Please guys, go to the payload. Mais moi j'ai bien de heal là, hein. Someone on the payload. Là c'est un peu, je trouve ça un peu limite, hein. Ça n'est pas terminé.
Oh. Putain, mais le heal! Enfin non, mais ça me saoule, y'a pas suffisamment de heal. Et on a un torbillon. On a un torbillon qui sert à rien. Switch Turbine. Turbine is useless. Thor, please switch now. Switch to Para or Jungrad. Soin augmenté. J'ai besoin de soins, hein. Hello. Pète les couilles. Le motard de l'apocalypse, c'est moi. Au moins je pourrais me heal. Moi, pas me faire chier longtemps. I can switch to heal, but please stop, then switch to a tank or to another DPS. You are watching, this is, doesn't work. Hop. Voilà. Stay on the payload, please. Stay on the payload. On tous venir un par un, attention. Non, c'est bon. Enfin bon. C'est tendu du slip quand même, hein. Je sais plus c'est quoi l'expression qu'on a utilisée l'autre fois dans le live. C'est... Non, c'est pas dans le live, c'était avec Rontopo. C'est tendu comme le string d'une grosse, c'est ça? Ça m'avait fait rigoler. De préférence, je tank pas. On va voir si use de mort.
est prêt à tanker. Uzumor, can you switch tank? I can switch Orisa for Reinhardt if you need to pick Orisa. Whatever. Et je pense pas que Uzumor va faire un pick intelligent. C'est marrant. Déjà, ça met dans l'ambiance, ça, les trois premiers. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Ok, ah, il a fait un pic tank, mon dieu, un truc de fou. Bon, on va se placer. Bonjour. Le combat commence dans 30 secondes. Arrêtez de rêver, tenez-vous prêts au combat. C'était génial. Rien de tel que de la musicothérapie. J'ai déjà tout vu, tout fait. Il y a qu'en reste un groupe pour remplir notre mission. Ça va chier des bulles carrées. Putain de wall de merde, il dure 3 plombes! T'es pas sérieuse! Regardez, j'ai 6 fois la place de passer! Connard! Putain, mais t'es pas sérieux, le piège qui reste là depuis 3 plombes! Je peux pas repasser, merde. Oh putain. 13 combien? Fais-moi mal, vas-y. 12 PV. Ok. Le convoi approche de sa destination. Je vous conseille de vous placer derrière. Bon, bah ça sera moi à l'appeler OTG à mon avis. On va bien voir, mais... Score final. Je la sens bien. Il y a eu une petite bombe, il y a eu un troisième kill je crois derrière, et avoir peut-être un quatrième, je sais plus. On va bien voir. Si c'est moi en POTG sur une un match de placement, c'est qu'il y a de l'amélioration. Action. Eh non. Ah si, c'est moi quand même, mais c'est pas avec le bon. Ah, c'est le coup d'ult dans le trou. Exact.
Voilà. Il y a de l'amélioration, donc on va considérer qu'il y a de l'amélioration. Ok, bon bah, écoutez, pour cet épisode, on va se laisser là. Et moi, je vous retrouve dans le prochain pour la suite des matchs de placement. Salut!